C'est bon, le bordel est caché. Ah non, on voit encore un peu là-bas. Attends, tu me mets là. Eh nickel. Salut les mecs, c'est Lolo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors pourquoi je fais l'intro juste ici? Parce que vous savez, ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs vas-y petite pub, t'as capté. Ah déjà ça c'est quoi les refs? Ouais, vous avez pas envie de voir ce qu'il y a derrière, vraiment je vous jure, de base je filme pas ici. Donc vous devez pas voir ce qu'il y a derrière. Donc vu que c'est le bordel, on va montrer, on cache. Bref le mec, cette vidéo déjà elle s'est pas passée comme prévu parce que déjà elle était super longue. Mais comme d'hab, tu sais, j'ai des petites galères, c'était pas sur la même carte SD. Et comme là, pour ceux qui me suivent sur les réseaux les plus intimes, comme sur mon IM ou mon OnlyFans, vous voyez très bien, mon ordi a crash, donc je ne peux plus faire de vidéo à l'ancienne. Du coup je suis obligé de refaire comme très à l'ancienne, t'as capté. Donc là en fait, ce qui s'avère que j'ai que la moitié de la vidéo. Mais je me suis dit, je suis gentil, je vais quand même vous sortir la moitié de la vidéo parce que bah, j'ai besoin de vous sur cette vidéo. Parce qu'en fait vous êtes un peu mes mécaniciens et mes trouveurs de prix et mes resellers personnels de moto. Voilà, donc comme vous avez du talent et comme j'en ai parlé avec mes abonnés sur mon Telegram, t'as vu comment j'ai calé la pub du Telegram frérot, on est bientôt 600 sur mon Telegram. J'ai envie de vous montrer la photo du Telegram mais je peux pas, c'est censuré par YouTube. Ceux qui savent de quoi je parle, vous savez pourquoi je dis ça quoi. Si tu me dis sur Telegram, tu sais la photo du groupe, les frères, c'est vous qui l'avez choisi. Bref, sur ce les mecs, je vous souhaite une bonne vidéo. Quand cette vidéo elle sort, normalement, juste après, je tire au sort le gagnant du concours avec XL Moto. Je sais, j'étais un peu long, mais frérot, j'ai que des galères. Je vous jure, j'ai que des galères. Je vous raconte pas ma vie, hein, mais ceux qui veulent la savoir, vous venez me suivre sur les réseaux intimes. Sur XL Moto, il y a un concours à gagner. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de participants. Du coup, n'hésite pas parce qu'il y a peut-être ta chance. En plus, il y a 5 cadeaux à gagner. Le lien est en description. Bref, voilà. Je voulais faire ça pour vous dire parce que c'est la vie. C'est normal si la vidéo elle va se couper un moment. Bah, à la fin, mais t'as capté. Bref, sur ce les mecs, bonne vidéo, c'était Léo. Mettez des pouces bleus. 4000 pouces bleus. 4000 et pas un de moins. Je vous sors une nouvelle vidéo. Dimanche. Non, vas-y, vas-y. Samedi 17h30. Je suis gentil. Et abonnez-vous parce qu'on est bientôt 105 000. Et aux 105 000, je sais pas. Salut les mecs, bonne vidéo à tous. Je vous attends en commentaire. Vous gérez parce que vous êtes des resellers pro de moto. Du coup, vous gérez parce que moi, ça, c'est pas mon domaine. Bref, sur ce, les mecs. Ciao, ciao. Comment on coupe sur ça? Attends, on va faire à l'ancienne. Allez, salut. Salut les mecs, c'est Léo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les mecs, on a sorti la petite 85. Voilà, on la laisse chauffer tranquillement. Aujourd'hui on va se faire une petite barre du soir entre guillemets, si je puis dire ça comme ça. Le couvre-feu décalé, ça permet de sortir un peu plus tard. Aujourd'hui c'est ma dernière fois je pense avec la 85. On va essayer de profiter sans se faire arrêter. Parce que là je sais pas, j'ai sorti la 85, j'ai eu un feeling, il y a eu un truc qui va se passer. Et je pense on va changer de bécane de cross. Donc on l'aura pas gardé super longtemps, je vais lui refaire une beauté. Je laisse certainement une vidéo, genre une ou deux vidéos entretien. On va aller lui faire tout simplement, on va regarder cylindre piston commencé à l'intérieur pour dire de savoir ce qu'on vend. Et voilà, un bon petit entretien. Et puis voilà, bah de toute façon ça sert à rien de faire une vidange parce que la personne qui va la voir, elle va faire une vidange, ce qui est logique. Parce que quand t'es acheteur, tu fais une vidange. Enfin tu roules pas avec de l'huile que tu connais pas. Enfin bref, c'est un peu con de caler comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis voilà, dites-moi, vous pensez que je peux vendre combien la petite bête là? La petite bête, vous pensez que je peux la vendre combien? 85 SX KTM, logique, de 2016, antécédent de la moto, bah c'est du terrain. Et puis voilà, il y avait l'ancien kit déco du propriétaire. Et puis voilà, il y a facture, les suivis garage. Voilà, y a pas de soucis. Allez, c'est parti. Donc dites-moi combien je peux en tirer. Votre avis, ça fait 3 semaines que j'ai pas roulé avec. C'est pas du tout pareil que la 50. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires, vous pensez que je peux en tirer combien de la petite 85? Vous allez voir. En vrai, elle marche plutôt bien. Pour débuter, franchement, c'est une bonne bécane assez nerveuse. Puis après, de toute façon, je pense que vous connaissez ces KTM, quoi. Donc voilà, on espère pas croiser la gendarmerie. Parce que de toute façon, de ce coin-là, c'est que la gendarmerie. Et je sais pas, j'ai carrément un mauvais feeling. Si je suis dans la merde, c'est ici. Sinon, après, dès que j'arrive dans les chemins, pour toutes les fois, ils m'ont arrêté, ils disent rien. Ça fait un bruit de malade. Pourquoi pas changer la laine de roche? Ah, il regarde les petits moutons. Nous, on va les scaler un petit peu dans les chemins tranquillou. Putain, elle gueule, c'est incroyable. Elle gueule de fou, hein. Et ça fait 3 semaines que j'ai pas roulé. Faut que je me refasse à son bruit, hein, qui réveille tout un quartier, frérot. On va éviter de couper le rond-point parce que là aujourd'hui comme je vous l'ai dit, je le sens pas, je sais pas. Je pense qu'ils vont me rendre visite encore une fois, mais voilà. De toute façon, tant qu'on est dans ces petits chemins comme ça, ils disent rien, ils sont assez sympas vers ici, du coup, c'est plutôt cool. Oh, oh ouais, les chemins c'est plus les mêmes. Avant c'était juste tout droit tranquille. Bon, elle marche toujours aussi bien. Il n'y a pas de problème avec ça.
Et c'est vrai qu'à 85, enfin juste du deux temps pour les chemins, c'est nerveux de fou, c'est incroyable. Et ouais, t'es fatigué hein, t'es vite fatigué mon pote. Bon, on est dans les mêmes chemins, c'est juste ça qui est un peu relou. Moi je pensais la tester avant sur terrain, bah une fois genre dire d'aller sur le terrain avec. Mais je sais pas, parce que je pense que je vais avoir la nouvelle assez rapidement. Donc à voir si j'ai le temps d'aller faire une petite session sur terrain. Mais vas-y, tu sais, avec le Covid, tout est retardé, donc un peu chaud. Tous ceux qui m'ont dit qu'elle avait des bruits bizarres, faut savoir que la laine de roche elle a changé. C'est notifié sur la facture, il faut le faire. Et une petite laine de roche ça coûte pas super cher, donc je pense que je ferai avant la vente. Et puis voilà. Bon, après les pneus, tu vois, ils sont morts. Ouais, elle tire bien. Putain, mon guidon, j'ai l'impression qu'il est pas droit du tout, c'est incroyable. Après, c'est une bécane de cross, vous allez me dire, hein, donc c'est normal qu'il n'y a pas tout droit dessus, quoi. Gardez, maintenant on fait à côté des tournesols. Non, c'est pas des tournesols, ça, c'est quoi? On fait de la cross à côté de ça. Ah bah bordel, elle arrache toujours autant, hein, moi je peux vous le dire. Hein. Ça envoie de la patate. Non, en vrai, c'est une bonne bécane. Hein. Franchement, pas eu de soucis avec. Franchement, je ne peux que valider. Est-ce que j'arrive à faire ça? J'ai réussi ça un moment. Non, 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 frérot. Non, t'as pas le niveau. Je vous jure que j'y arrivais. Voilà. Marche bien. Marche bien le 86 stop là. Il est bien réglé. On va essayer de pas se mouiller, ça serait plutôt cool. C'est ça en vrai, quand t'achètes un cross, enfin du moins tu veux acheter un cross pour en faire près de chez toi, regagne des jeux où tu peux en faire. Moi avant d'acheter, je savais que je pouvais en faire là, et puis même voilà, tu vois, si je vois un petit terrain vers ici que je peux acheter, tu vois, j'achète un petit terrain, ça coûte que dalle. Et on se fait un petit terrain, oh là là, un terrain de cross pour cet été, hein, ça serait incroyable. Putain, il y a des nouveaux trous que j'ai pas vus. Ça avait pas de bruit quand tu gueules pas dedans, mais dès que tu commences à tirer dedans, mon pote, ça réveille. Hein. Ça réveille. Je sais pas où il y a le soleil là. On est quoi? On est le 28 mai je crois. Je sais pas, mais on est loin dans les mais là et fait pas beau du tout. C'est dégueulasse comme temps. Putain, qu'est-ce que je kifferais avoir un petit bois là. Oh, j'ai cru que c'était des canards. Et ceux qui sont là, ils arrivent en moto. Et ça lève cash. En plus, les nombreuses fois où je me suis fait arrêter, comme par hasard, je vous dis bien comme par hasard, soit j'avais pas la GoPro, soit la GoPro elle a pas de batterie, ou soit ça a foiré l'enregistrement. Ah, je vous jure, elle est trop le seum. Et on s'entend même pas parler, hein. J'avais oublié ce que c'était de filmer avec le 85. Je sais pas, c'est la pelouse de qui. Sorry. Ah là, il est là. Là, on s'envole. Oh, les petits canards.